m'a demandé de faire l'animation de cet atelier. Je dois vous avouer que je connais un petit peu le sujet parce que c'est la digitalisation de Sogal, on l'a pratiqué ensemble avec Vincent. Donc l'enjeu pour moi, c'est de retrouver ma candeur, c'est-à-dire de ne pas jargonner, de ne pas vous embêter, enfin de pas avoir un discours trop perché. Donc si vous le sentez, bah, vous levez la main puis vous me dites hop, 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 là on ne comprend plus, ou nous on veut dire quelque chose, quoi. Je compte sur vous. Voilà, donc on va avoir Vincent Pastori, donc qui est le directeur marketing de Sogal, qui va nous raconter cette belle histoire, hein, la digitalisation du groupe Sogal. Et puis Philippe Sorel. Alors Vincent, je vais te présenter si tu veux bien, puisqu'on s'était dit qu'on ferait comme ça. Donc voilà, donc tu animes depuis 6 ans, c'est ça, les équipes du marketing de Sogal, au sein du pôle innovation, R&D, marketing, communication, commercial et web, ça fait beaucoup. Tu es également vice-président de l'association Design In, administrateur comme moi. Donc cette association, pour rappel, elle vise à promouvoir en fait la pratique du design centré utilisateur, voilà, et puis dans un objectif de performance économique. Philippe va être notre expert. Alors Philippe Sorel, c'est le patron d'EFICONNECT. EFICONNECT, c'est une société spécialisée dans les solutions de communication pour les entreprises de plus de 20 ans. Expert des sujets du marketing relationnel B2C, B2C, B2B, B2B2C, et tu accompagnes les entreprises industrielles de services, de distribution dans leur stratégie multicanal et de fidélisation et de conquête et de data management et. Hein, c'est ça ? Et. Ok. Voilà. Alors, j'ai oublié de déclencher mon... Ou alors la régie, vous me ferez signe au bout de la demi-heure, c'est ça ? Bon, donc c'est parti. Vincent, donc... digitaliser Sogal. Est-ce que d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, tu pourrais nous rappeler ce qu'est Sogal ? Alors Sogal, c'est le premier fabricant en France de portes de placard, dressing et aménagement sur mesure. Donc on fabrique on a 3 usines en France qui distribuent et fabriquent tous les produits du groupe. On produit 1 million de portes de placard par an. C'est en gros 6 portes sur 10 en France qui sortent de nos usines. C'est un groupe qui est multimarque et multidistribution, donc on est présent sur tous les segments de distribution, négoce professionnel, grande distribution bricolage, réseau de boutiques, spécialistes et grand public. On a aujourd'hui une marque par segment de distribution, voire par client, pour des questions de différenciation, de positionnement, de prix, de politique de distribution, d'enseigne, de centrale, etc. Et on a racheté l'année dernière une société qui s'appelle AGEM, qui a plusieurs usines dans la Sarthe, à côté de la Ferté-Bernard, et qui fabrique des aménagements intérieurs sur mesure, plutôt sur des niveaux de projets très très personnalisés, qui sont vendus dans des réseaux de spécialistes et dans des réseaux de boutiques à enseignes, 42 magasins en France, qui sont à enseignes AGEM, votre intérieur sur mesure. Donc le groupe, c'est 760 personnes en France, c'est un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Et une position sur le marché de... Le leader ? Oui, parce qu'on fabrique sur les portes, il y a 6 portes sur 10 qui sont fabriquées chez nous en France et en aménagement intérieur, pas loin de 50%. Donc le siège social de Sogal, il est à la Jumelière, en Anjou. Jumelière avec 2 L, hein, c'est ça Vincent ? Oui, parce qu'il y avait une faute. Et donc Sogal, c'est une très belle entreprise française, un des fleurons de notre industrie en région et même en France. Pour autant, une marque qui n'est pas connue, ou peu connue. Et donc, est-ce que c'est ça qui a présidé à l'idée de sortir de l'usine ? Alors, à l'origine, oui, c'est un peu ça. Donc, la marque historique dans le groupe, c'est Sogal. C'est une marque à 30 ans qui a été complétée au fur et à mesure des années avec différentes marques et pour couvrir des segments de distribution complémentaires. C'est une marque qui est archi connue des spécialistes menuiserie, en particulier des artisans, mais qui n'est quasiment pas connue du grand public. Donc l'idée, c'était de pouvoir, quand je suis arrivé dans le groupe, en fait, on avait cette très bonne connaissance côté professionnel, un site internet qui était extrêmement fréquenté par ailleurs, mais aucun lien entre les deux pans d'activité, le consommateur d'un côté, la branche installation, la branche distribution et le fabricant. Donc l'idée de tout le projet qu'on a mené, ça a été de pouvoir relier tous ces éléments et faire en sorte que tous ces éléments contribuent au business global de l'entreprise, mais également de la distribution. Parce qu'en fait, vous l'aurez compris,
La problématique ou l'enjeu ou le dilemme pour Sogal, en fait, qui a une marque qui n'est pas forcément connue du grand public, c'est de s'adresser à un marché grand public tout en protégeant son réseau. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Oui, parce que la particularité qu'a le segment de distribution professionnelle, c'est qu'on a, c'est une partie billard à plusieurs bandes. C'est-à-dire qu'il y a le fabricant qui distribue ses produits via un réseau de distribution présent localement. Donc on sait aujourd'hui, pour la marque Sogal, c'est 1300 distributeurs en France. Ces distributeurs vendent à des artisans installateurs qui mettent en œuvre le produit au final chez le consommateur. Donc c'est un circuit long, donc on a une déperdition de données au fur et à mesure entre le fabricant et le consommateur. Donc tout l'enjeu d'aller plus loin dans la digitalisation et dans la relation avec le consommateur, c'est de pouvoir récupérer de la donnée le plus bas possible dans la chaîne de valeur pour pouvoir faire en sorte que les produits qu'on puisse sortir à l'avenir soient des produits qui répondent à la demande du consommateur qui est au bout du bout le seul client important pour la marque. Donc si on se résume, l'idée liminaire dans la digitalisation, c'est s'exposer, avoir du feedback du marché et puis tout en protégeant son circuit de distribution, c'est ça ? Absolument. Okay. Parce que le distributeur est essentiel dans notre modèle. Oui, il n'est pas question. Il est hors de question pour nous de le court-circuiter de quelque sorte que ce soit. Oui. Ouais, c'est même plus que le protéger finalement, c'est l'aider à développer son propre business. Voilà. Oui, alors c'est la bonne transition. Merci Philippe. Effectivement, donc bah comment est-ce que vous avez fait justement pour aider vos distributeurs à créer du business ? Alors la première phase, ça a été de refondre complètement tous nos sites internet, puisqu'on avait des sites qui étaient sur des très anciennes versions. Pouvoir devenir visible, pouvoir montrer les produits. Compte tenu de la complexité de notre circuit de distribution, on a une déperdition au fur et à mesure de l'information. Comme beaucoup de distributeurs professionnels aujourd'hui, notamment des distributeurs qui présentent une multitude de produits, on a une perte de connaissances des vendeurs et des équipes magasins qui ne sont pas à même de couvrir l'ensemble de tous les produits qui sont présentés dans les rayons. Donc on a fait en sorte de présenter beaucoup mieux les produits, beaucoup plus détaillés sur les sites. Ce qui a eu pour effet d'entraîner une demande de la part des consommateurs, parce qu'on a également travaillé beaucoup sur la prise de contact qualifiée et la proposition de réalisation de devis. L'idée suivante étant de pouvoir redistribuer ces demandes de devis aux distributeurs au départ. Le démarrage, c'était ça. Et puis assez rapidement, on s'est rendu compte que le distributeur savait assez mal traiter ces demandes-là parce que le négoce professionnel n'est pas structuré, enfin, ou n'était pas structuré pour pouvoir répondre à ces demandes dans un temps suffisamment court et dans beaucoup de cas ne répondait pas à la demande du consommateur qui avait visité le site. Donc la deuxième passe a été d'associer les installateurs et là on a pris un très grand élan dans le développement de notre activité digitale puisque en redistribuant ses contacts au niveau de l'installateur, qui est le client de notre distributeur, on a contribué à développer de façon très, très importante l'activité de tout le monde. Donc on va y revenir sur la mécanique qui a été mise en place. On peut se poser alors une question. Le consommateur, ça laisse supposer qu'en fait un consommateur, avant d'avoir un projet d'aménagement de sa maison, il va sur Internet, c'est ça ? Aujourd'hui, c'est le premier circuit d'information. Parce que contrairement à ce que disait Renaud tout à l'heure, nous, on n'a pas la chance d'avoir un consommateur qui achète chez nous 6 fois par an. C'est plutôt une fois tous les 22 ans. Donc, on a une chance de le voir venir. Si on ne l'attrape pas à ce moment-là pour l'emmener chez un installateur pour pouvoir avancer sur son projet, il faut qu'on attende 20 ans. Donc, c'est un peu compliqué. Enfin, il fallait qu'on attende 20 ans. Donc, on a effectivement le besoin d'aller assez rapidement le capter pour pouvoir l'aider dans son projet. Mais c'est effectivement par le web qu'il vient rechercher un maximum d'informations. Ouais, et besoin de le capter et aussi de traiter le lead dans des temps assez compressés. Enfin, on le verra peut-être dans la mécanique, mais il y a une exigence vis-à-vis du consommateur qui finalement a le pouvoir et demandeur. Et qui souhaite qu'on le considère et qu'on le traite de façon réactive, pour ne pas dire rapide. On y va, justement, tu peux nous en parler, Vincent. C'est quoi les règles ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Alors, la règle qu'on a demandée, et sur laquelle on insiste assez lourdement, c'est que le contact Internet, à partir du moment où il est distribué à un installateur, il soit traité dans la demi-journée. Okay. Donc, et ça, on le surveille. C'est-à-dire que si le client n'est pas traité ou maltraité, on envoie une fois, deux fois le devis, mais la fois suivante, c'est un copain qui reçoit. Alors d'abord, des demandes de contact pour installer des dressings chez soi, vous en avez combien par jour, par mois ? On a aujourd'hui entre 20 et 30 contacts jour qualifiés. D'accord. Sur des projets. Donc on passe d'une marque qui n'était pas connue
à une marque qui s'affiche sur Internet, on la trouve, on fait une demande d'information et ça se transforme par 900 contacts par mois, c'est ça? En moyenne, oui. D'accord. Donc c'est une richesse, alors là c'est de la data, hein, mais à l'état brut pour le coup, mais je crois savoir que en fait, ces contacts-là, vous ne les traitez pas vous-même. Non, alors aujourd'hui, on peut avoir une qualification par nos soins, par nos équipes commerciales en particulier, qui redistribue ce contact à nos installateurs. Ces installateurs, ils sont sélectionnés, ils sont certifiés, et ils doivent traiter ces sujets de demande de devis rapidement. L'objectif, c'est aussi pour nous... le deuxième effet en fait, de cette politique qu'on a mis en œuvre, c'est que ça nous a permis aussi de recruter des installateurs. Et la progression très importante de ces demandes de contact et de ce réseau d'installateurs a fait qu'on a aussi pris beaucoup de présence auprès des enseignes de distribution et un rôle un petit peu différent. On en reparlera tout à l'heure. Oui, Philippe. Oui. Ouais, juste deux chiffres qui, à mon avis, sont intéressants dans le prolongement de ce que vient de dire Vincent. Il y a une étude qui est sortie du cabinet Haussmann en 2015 qui répertorie les principaux chantiers en jeu de la transformation numérique pour les entreprises. Dans les 5 critères qui arrivent en tête de liste, le critère numéro 2, c'est le renfort de la relation client pour 67% des gens interrogés. Et le deuxième critère, tu en parlais tout à l'heure, c'est la maîtrise de la data pour 58% d'entre eux, sachant que la data, je crois que tu donnais un chiffre tout à l'heure en ouverture, 95% de la data n'est pas exploitée aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr, oui. Mais ça, c'est un chantier en cours, hein, effectivement. Pour l'instant, la France, c'est le pays de l'acquisition, de la conquête. C'est très français ou très latin, ça. Hein. La conquête, c'est facile. La fidélisation, c'est un autre sujet. Et on voit bien qu'on est vraiment à la traîne sur ce sujet-là. Bon, ce qui n'est pas le cas de Sogal, Philippe, pour le coup. Non, alors pas du tout, parce que là, en l'occurrence, la data est collectée, enrichie, agrégée, traitée, etc. Oui. Et on voit bien qu'au-delà de collecter des données, la notion de les enrichir, de les traiter, de les segmenter est fondamentale pour le développement du business. Alors, il y a des enjeux économiques importants. Justement, Vincent, moi, je connais des menuisiers. J'ai le sentiment qu'ils ne sont pas forcément geeks. Dans mon esprit, un menuisier, c'est plutôt ciseaux, rabots, et puis une fidélisation à certaines marques. Voilà, avec tu vois ce que je veux dire, quoi. Est-ce que tu peux nous décrire le comportement en fait de ces installateurs vis-à-vis de ce que vous proposez aujourd'hui ? Alors ça c'est le quand je suis arrivé dans l'entreprise, moi je me suis heurté à la une connaissance entre guillemets client qui se limitait en réalité à la connaissance de la distribution. Donc il y avait effectivement une image de l'artisan comme étant un peu le boiseux, le gars un peu rustique, ce qui me paraissait un petit peu surprenant parce que l'artisan il est par nature nomade, c'est-à-dire qu'il part le matin, il rentre le soir tard et entre les deux il est connecté en permanence. Parce que sur le chantier il a besoin d'une fiche technique, il a besoin d'un relevé d'informations, il a besoin d'un certain nombre d'outils. Pour éviter d'avoir à faire des allers-retours. Et au contraire, c'est une population qui est extrêmement outillée. La plupart des gens qu'on rencontre, parce qu'on a un réseau d'artisans qui est extrêmement nombreux. Alors combien aujourd'hui de partenaires ? Alors quand on a démarré il y a un an et demi le programme de relationnel pour les artisans, on a aujourd'hui 850 artisans installateurs certifiés par la marque. Et on a doublé ce réseau-là avec un réseau d'installateurs uniquement fidélisés, sur lesquels on a aujourd'hui 8900 cartes en circulation. Donc okay. On a plus de 9000 artisans en connaissance. Et c'est quoi l'engagement de l'artisan ? Vous avez une charte, quelque chose qui alors, fixe des règles ? Parce que tu le disais, Philippe, effectivement, ce qu'il faut, c'est qu'un contact, c'est bien, mais il faut qu'il soit très très vite traité. Quand on le traite soi-même, on comprend qu'on a la liberté d'agir vite sur le marché, mais quand on le fait traiter à quelqu'un, c'est une autre paire de manches. Alors, on a créé une charte d'engagement réciproque. Alors, parce qu'une charte, c'est bien, mais une charte, c'est mieux quand c'est réciproque. Donc, nous, on a des engagements vis-à-vis de nos installateurs, en particulier le fait de leur redistribuer du contact qualifié en provenance de nos sites Internet, donc ce dont on parle depuis tout à l'heure. On a un engagement également qu'on a pris avec eux de les former, de les accompagner, parce que ce sont des populations, de par la taille des structures qu'on a aujourd'hui en France, des toutes petites équipes. C'est souvent un artisan, son épouse, éventuellement un technicien en complément ou un installateur, un monteur.
Donc peu d'accès à la formation, peu d'accès à un certain nombre de services. Donc nous, on s'engage à les former au travers d'un programme de formation à la pose des produits, aux gammes de produits, mais également à la vente, parce que l'installateur est un installateur, mais n'est pas un vendeur dans beaucoup de cas. Et si on veut faire du business, bah, le mieux, c'est de le former à la vente. Donc on a monté des programmes de formation à la vente. Et on a également monté une structure, une école de formation interne pour pouvoir faire en sorte que les artisans puissent déduire ça de leur budget formation pour que ça leur coûte également moins cher. Ou d'utiliser les points fidélité qu'on leur octroie pour pouvoir financer les formations. Ouais, finalement, on parle de transition numérique, mais on se rend bien compte qu'au-delà des outils et de la techno, il y a un défi humain qui est colossal, c'est-à-dire qu'il faut accompagner le changement, il faut faire sauter les verrous, bousculer les organisations, accompagner les utilisateurs, faire évoluer les managers. Enfin, il y a des enjeux qui sont très très importants. Et je pense que chez Sogal, ça a été aussi le quotidien pendant quelques temps. Ouais, alors, bon, la digitalisation, bon, chez nous on a banni l'anglais, parce que pour un certain nombre de raisons, on francise tout, notamment avec nos installateurs, parce qu'ils aiment bien qu'on parle français. Mais pour moi, c'est vraiment uniquement et seulement un moyen complémentaire, nouveau, de faire du commerce et de faire du commerce différemment, mais mieux, globalement, avec une information qui est plus riche, effectivement, et qui n'a pour seul but que de faire du business, parce qu'on est comme tous là pour ça, on n'est pas beaucoup à être philanthrope dans le métier. Ok. On voit bien la stratégie, hein, utiliser le canal web pour capter du contact, un extranet pour acquérir les contacts, les gérer, profiter de cette gestion pour animer un réseau, les leads, les contacts, les opportunités d'affaires, c'est ça ? Les opportunités d'affaires deviennent le carburant de la relation. Donc en gros, un des 850 menuisiers, il est motivé parce qu'il sait qu'il va y avoir du business et donc de se servir de cet outil. Voilà. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer ? Enfin, ça crée d'autres opportunités, Vincent, il me semble. Aussi, vis-à-vis, ça vous donne une force, un pouvoir supplémentaire sur la distribution. Alors, il y a différents actifs dans cette stratégie-là. C'est que, un, sur un marché, ben, vous connaissez un peu le marché du bâtiment, vous voyez comment se comporte. Alors, à Nantes, c'est un peu un contre-exemple, parce qu'il y a des grues un peu partout. Mais le bâtiment n'est quand même pas un secteur en pleine croissance depuis quelques années, avec différentes mesures gouvernementales en particulier qui ont été assez mauvaises pour la construction. Donc la construction, nous, c'est notre business, parce que chaque construction de logements neufs génère des opportunités de vente supplémentaires pour les gens qui déménagent, qui quittent leur logement, qui rénovent le logement suivant. Donc le bâtiment va mal. Donc dans un marché qui est compliqué, si on veut maintenir ses parts de marché ou développer ses parts de marché et faire du business, bah, c'est... Tout le défi pour une entreprise industrielle, c'est aussi de transformer une entreprise industrielle en entreprise de service qui, au sein de ses services, livre des produits, mais ce n'est qu'une partie de ce qu'on apporte. Donc on apporte du service logistique, on apporte du service au client en général, et on lui apporte également du trafic qualifié avec une opportunité d'affaires, ce qui n'est pas rien dans un marché compliqué. Non, je voulais t'emmener sur l'anecdote du jour, en fait, celle que tu m'as racontée tout à l'heure. Ouais, le deuxième point, c'est comment la marque reprend le pouvoir. Et voilà. C'est un point qui est essentiel pour moi, parce que à partir du moment où vous arrivez sur un marché, je suppose que vous êtes nombreux à travailler avec la distribution, une centrale de distribution, elle travaille globalement pour elle, elle ne travaille pas pour la marque. Sauf si vous vous appelez Coca-Cola et que vous avez face à vous Leclerc, ou la donnée un peu différente, mais on n'a pas la chance des Coca-Cola. En termes de puissance, donc quand on est face à une centrale de distribution et qu'on vient avec justement ce dont tu parlais tout à l'heure, la donnée client qualifiée qui apporte du business, qui apporte du trafic en magasin, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques, qui apporte en plus de ça 9000 installateurs qui eux vont demander vos produits dans la distribution, la relation n'est pas tout à fait la même. Ok, donc tu ne veux pas nous le dire. Non, je faisais allusion. On peut en parler, mais on est en train de lancer depuis le mois de septembre un produit qu'on a conçu. Alors là donc, on a beaucoup développé depuis un an et demi le développement des produits avec nos installateurs en particulier, parce que c'est avec eux qu'on conçoit les produits. On fait des boucles itératives de développement pour pouvoir valider au fur et à mesure les prototypes, les pré-séries avant de lancer les produits. Ce qui fait qu'on a la chance d'avoir des installateurs qui connaissent avant la distribution le produit dans le détail, parce qu'on les a formés au préalable, et c'est eux qui vont demander à la distribution à partir de quand on peut acheter ce produit de Sogal.
Et quand vous avez trois centrales de distribution qui vous disent au départ, ben non, nous, le produit, on a déjà des fournisseurs, donc ça ne nous intéresse pas de travailler avec vous, mais que vous avez un client, deux clients, trois clients, dix clients qui viennent chez eux en leur disant, ben nous, on voudrait le produit de Sogal, ben la relation, elle n'est plus la même. Parce que là, c'est la centrale qui vous appelle en vous disant, ben finalement, on va c'est peut-être référencer le produit. C'est la stratégie de la tenaille. Ouais, c'est magique, hein. C'est magique, il faut y croire. Il y a 4 ans, il fallait y croire. Mais... Il fallait y croire, mais... Mais on était assez persuadé de ça. Oui, je sais, mais quand même, quoi. Et c'est une vraie leçon, en fait, pour les industriels, c'est que la donnée, le captage de leads, ça permet de reprendre le contrôle de son destin sur son marché, effectivement, et de maîtriser complètement ses campagnes, et même de choisir sa distribution, pratiquement. Tu veux intervenir ? Non, en fait, on parlait de création de valeur, développement de chiffre d'affaires, etc. Il y a une étude de McKinsey en 2015 qui est sortie, et qui dit que les entreprises qui réussissent leur transition numérique... pour celles qui sont dans la distribution, améliorent potentiellement de 12% leurs résultats opérationnels. Donc c'est quand même assez significatif. Il ne faut pas aller à contre-courant, c'est sûr. Hein. Non, c'est clair. On parle de 2 secondes de cette magnifique expérience, Vincent, parce que quand on y a goûté à la digitalisation, Vincent m'a dit un jour, on va vendre en ligne. Je veux vendre des dressings en ligne. Si, tu vas voir. Les gens, ils n'ont plus le temps d'aller route de Vannes le week-end. D'ailleurs, c'est pénible parce qu'il y a des bouchons. Donc, je suis persuadé qu'on peut imaginer quelque chose autour de ça. Tu peux nous en dire un peu plus ? Bah, c'est un peu le prolongement de tout ce qu'on a fait par ailleurs sur les différentes marques. C'est qu'on se rend compte, quand on écoute bien ce marché-là, quand on regarde, quand on lit toutes les demandes de contact de devis, on se rend compte qu'il y a en fait un acheteur, un profil d'acheteur va... plutôt vers un type ou l'autre de distribution en fonction du niveau de service auquel il s'attend. Donc il va dans le négoce professionnel parce qu'il y vient via un artisan, parce qu'il va faire des travaux de rénovation, il va mettre en œuvre des produits, donc il a besoin d'un conseiller, il ne sait pas bricoler. On a les gens qui savent bricoler, qui vont de façon assez spontanée aller dans une grande surface de bricolage, avec éventuellement achat ou non d'une prestation de pose. On a les gens qui vont chercher un article plutôt dans un environnement déco, un projet un peu plus large, qui vont aller chez les spécialistes rangement ou les spécialistes cuisine. Et puis on a une nouvelle frange de clients qui sont plus jeunes globalement, qui vont directement sur Internet et chercher d'office une solution en ligne avec des outils de relations adaptés, avec des prestations ou des services qui sont associés et qui sont faits de façon un petit peu différente. Et cette clientèle un peu plus jeune, elle est doublée également par une clientèle qui n'a pas forcément accès à un réseau de distribution. C'est-à-dire qu'il y a encore des zones en France où il y a de l'Internet, mais il n'y a pas de magasin. Il y a un certain nombre de trous en France de population et de commerce qui font qu'un certain nombre de gens n'ont pas accès à la distribution. Et puis dans des grandes villes, on a des gens qui n'ont pas envie d'aller dans la distribution parce que sur Paris, bah, c'est compliqué d'aller une fois par Lidl, une fois à Rony pour aller chercher un produit. Et donc vous avez lancé centimètre.com, vous ne l'avez pas appelé sogal.com pour le coup. Alors, tu vas nous dire pourquoi. Et puis comment ça marche ? Comment est-ce qu'on achète un dressing en ligne ? Alors, ça ne s'appelle pas Sogal.com, c'est Sogal. Sogal, c'est le négoce professionnel. On a d'autres marques pour les autres circuits de distribution. Donc, on a décidé de lancer ce test pour trouver un relais un petit peu différent pour cette cible qu'on ne touchait pas par ailleurs dans nos autres réseaux. Et donc, on l'a appelé centimètre.com. On a sur cette offre des produits spécifiques qui sont développés spécifiquement pour cette marque-là et avec des services différents. Donc ça nécessite une organisation totalement différente, à la fois au service client, à la fois aux outils qu'on met en œuvre au service client, parce que le client particulier de la marque s'adresse à la marque d'une façon complètement différente des réseaux traditionnels, parce qu'on n'a pas de commerciaux au terrain. Donc c'est une relation client assez poussée au niveau de l'équipe client chez nous. Et puis, un site mécanique différent, un configurateur spécifique pour pouvoir se projeter dans son projet. Et effectivement, voilà. quand on a parlé de ça au départ, on s'est dit, le panier moyen Internet, à l'époque, il était à 98 euros. Aujourd'hui, plutôt aux alentours de 80. Et on constate que nous, on fait plus de 10 fois le panier moyen Internet. Donc là où beaucoup de gens nous ricanaient au nez en nous disant « ça ne marchera jamais », Ça marche. Alors, on ne peut pas donner de chiffres, ce qu'il ne veut pas, Vincent, je comprends ça, hein. Très très bien. Mais c'est un beau succès hein, sur cette année 2014, 2015 et 2016 aujourd'hui.
On est vraiment dans une pente très très ascendante et c'est très étonnant de voir que des gens vont dépenser 1000 euros pour acheter des dressings en ligne. Il fallait y croire. Bravo en tout cas. Tu voulais dire quelque chose? Oui, de façon générale, Vincent disait que certains endroits n'étaient pas couverts par la distribution traditionnelle. Pour autant, on est quand même en retard au niveau français en termes d'équipement de site, hein, puisque 65% des entreprises françaises ont un site, ce qui est quand même relativement faible, alors que le niveau d'équipement, par exemple, en Suède est de 89%. Et Vincent disait également que les usages étaient tirés par les consommateurs, c'est clair. Il y a un classement qui était sorti en 2015 sur les 13 puissances économiques mondiales. En termes de consommation privée, la France arrive au 4e rang. En termes d'investissement dans les entreprises, on arrive au 9e rang. Donc on voit bien que ce sont effectivement les consommateurs qui poussent la transition numérique et qui indirectement influent dans les entreprises, dans nos entreprises. Tout à fait. Alors, est-ce que, Vincent, maintenant, il nous reste quelques minutes là avant les questions, est-ce que tu pourrais donner quelques conseils comme ça? Parce qu'on sait que l'industriel doit adopter de nouvelles postures, mais on ne le sait jamais vraiment assez. C'est vraiment pas gagné d'avance. C'est-à-dire que passer de fabricant de dressing à la Jumelière et ailleurs, hein, mais plutôt dans les zones rurales, c'est un état d'être. Et puis, se lancer dans la digitalisation jusqu'au commerce en ligne, c'est un autre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment vous êtes organisé, quel est ce retour d'expérience? La grande question pour tout dirigeant, déjà, c'est que, un, il faut que le dirigeant en soit convaincu. Si le dirigeant n'est pas convaincu, ça ne sert à rien de se lancer là-dedans, parce que, de toute façon, c'est complètement illusoire de penser y arriver si le dirigeant n'est pas convaincu de l'aventure à mener. Le tout, c'est vraiment de savoir, quand on est dirigeant, est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans une aventure qui va remettre en question tout ce que vous pensez savoir. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, je pense, parce que c'est pas une gymnastique forcément facile, mais ça oblige à réapprendre un certain nombre de choses, à réapprendre une façon de commercer dont on n'a pas forcément l'habitude, apprendre à s'ouvrir l'esprit, entre guillemets, à des techniques différentes, des techniques de vente différentes, des outils différents. Savoir également si vous êtes prêt à apprendre un nouveau langage, parce que l'autre jour, j'ai participé à une réunion avec des industriels. Pour l'anecdote, on était 25 industriels et en face, on avait une spécialiste du digital qui venait faire une conférence, une intervention sur le registre des outils digitaux et comment est-ce qu'on pouvait mettre en place des outils digitaux dans des entreprises. Je pense qu'en 10 minutes, elle a perdu 80% des gens qui étaient autour de la table parce que personne ne comprenait rien. Ce qu'on a réussi à ne pas faire là, hein, vous aurez remarqué. Personne ne comprenait rien parce que c'était bourré d'anglicisme, de technologie ou de méthode de vente ou d'accompagnement ou de communication que les gens ne connaissaient pas. Donc, malgré tout, l'e-commerce, c'est jamais que faire du commerce d'une façon un petit peu différente parce que c'est en ligne, mais c'est avant tout faire du commerce. Après, ça demande des compétences quand même particulières, hein. Au niveau RH, c'est quand même un sacré virage. C'était la suite du êtes-vous prêt, c'est êtes-vous prêt à désapprendre ce que vous avez appris. Et puis, il y a un vrai enjeu au niveau RH, c'est que quand vous allez voir une DRH en lui demandant de recruter un growth hacker, qu'elle vous regarde avec des yeux comme ça et qu'elle vous dit c'est quoi donc, le profil c'est quoi, que vous lui décrivez le profil et que si vous ne lui avez pas écrit en français, ben, elle ne comprend juste pas ce que vous lui dites parce qu'elle ne connaît pas ni le profil, ni l'école, ni ce qu'est ce métier, c'est très compliqué. Donc, et en plus, quand vous lui dites on ne va pas le faire venir à la Jumelière, mais il va rester à Paris, c'est ça? Oui, c'est aussi ça, parce que faire venir la Jumelière, je ne sais pas si, à mon avis, il n'y a pas eu deux personnes dans la salle qui doivent savoir où c'est. Vous imaginez Angers-Cholet, vous faites la moitié, c'est Chemillé, et la Jumelière, c'est un tout petit bled qui est 1200 habitants perdus en pleine campagne. Donc on n'a pas beaucoup dans les populations qui travaillent autour du e-commerce ou dans le digital en général, de gens qui sont archi férus de campagne avec les vaches. C'est sûr. Donc déjà qu'on a du mal à les faire venir sur Nantes,
j'imagine, donc, dans ces campagnes-là. On a la chance d'avoir des bureaux à Paris. Donc l'intelligence, c'est ça aussi, c'est de se dire, déplaçons l'entreprise là où se trouvent les compétences et ne luttons pas parce que ça ne sert à rien. Ça me fait penser, en créant centimètre.com, parce que c'est plus visible sur centimètre.com, ce changement de posture, vous êtes dans un esprit start-up, en fait, et vous réagissez comme une start-up, en fait. Il faut aussi accepter pour le dirigeant de bousculer son organisation traditionnelle, parce que le fait de rentrer des populations aussi différentes dans des équipes industrielles à la base fait que ça remet en question assez fortement à la fois la mécanique de travail, parce que quand vous êtes industriel, que vous avez l'habitude d'être ancré dans des cycles de développement produits qui prennent, suivant les produits et la complexité, entre 6 mois, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, vous arrivez avec des équipes qui ont besoin de développement permanent, qui vont avoir besoin de mettre des produits en ligne tous les mois, voire pire. Et que vous commencez un peu à bousculer les organisations de développement, de R&D, d'informatique, de RP, etc. Il faut accepter de bousculer un peu ce modèle-là et de mettre en face des moyens qui permettent de le faire. Ok, merci Vincent. On a fini, on doit passer aux questions maintenant. Philippe, si tu as un petit commentaire à faire. Juste par rapport à ce que disait Vincent, en fait, il ne faut pas avoir de certitude et surtout pas peur de bousculer les modèles. Hein, c'est exactement ce que vient de dire Vincent. Et je pense que pour certaines organisations traditionnelles qui sont en silo, il faut apprendre à travailler de façon transversale et complètement ouverte. Et je pense que la notion d'agilité est fondamentale, que ce soit au niveau du mode de pensée, de l'organisation, etc. Voilà. Okay. C'est clair. On a fini cet atelier. C'est votre tour, le tour des questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à poser, particulièrement à Vincent, bien évidemment? Oui. Ça, c'est la question. Ça. Alors, comment je vais dire ça ? C'est pas parce qu'on a, c'est pas parce que la marque n'est pas connue du grand public qu'on ne sait pas capter l'attention. Alors, on a la chance d'avoir un site qui est assez ancien parce que la marque existe depuis 30 ans. Donc, on a un contenu de site qui fait qu'on a un très bon référencement naturel. Donc, on draine naturellement un trafic très important pour notre marché. Donc, si on met bien en place les mécaniques qui sont nécessaires sur les pages du site pour pouvoir capter du contact, ce qui est le cas, parce que globalement sur toutes les pages, on a au moins entre une et quatre possibilités de prise de contact. Si on le fait correctement, naturellement, on va capter ces éléments. Mais il faut effectivement avoir un trafic entrant suffisant. Donc nous, on a la chance de l'avoir en naturel de façon importante. On fait aucun achat de mots-clés aujourd'hui. On n'a pas besoin d'acheter de mots-clés, même si on le fera peut-être. Mais si on construit correctement le site pour pouvoir attraper ces contacts à ce moment-là, on a la capacité à en redistribuer une bonne partie directement à l'installateur. En fait, le site, il est voulu être très, très pertinent dans la réponse au consommateur. Plutôt que de faire du volume, c'est de faire de la qualité. C'est ça la stratégie, en fait. Et ce qui fait qu'il est plutôt bien positionné naturellement sur des mots comme dressing ou porte de placard, assez naturellement. Ouais, y compris sur de la longue traîne, sur des demandes très particulières, parce qu'on a un très fort contenu en termes de nombre de pages et de quantité. Donc on est positionné chez Google comme spécialiste, pas absolu, mais du métier, parce qu'on est vraiment focalisé sur ce métier, et depuis longtemps, avec de l'historique, des contenus assez riches. C'est beau de voir que la nature reprend le dessus à un moment quand même, non ? Hein, qu'il n'y a pas que Google qui décide. Je trouve ça super, moi. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, Aurélia. Tout le monde a bien entendu la question ? Elle est sur la motivation donc, du réseau à prendre en compte la problématique du lead et à vraiment lui donner suite. Alors, ce programme, on l'a monté au départ avec des groupes tests qu'on a fait parler autour de... On a échangé avec eux autour de que pouvait apporter un industriel à des artisans installateurs. Donc, rien que le fait de les écouter, à un moment...
Bah, ça leur fait plaisir parce que c'est des gens qui sont quand même tout seuls, qui ont peu d'occasions de se rencontrer entre eux. Le fait de pouvoir faire rencontrer une vingtaine, une trentaine d'installateurs d'un secteur particulier, bah, ça crée du lien aussi. Donc on les accompagne pour créer du lien. Une de leurs motivations principales, c'était de pouvoir effectivement récupérer du contact, puisque c'est pour eux une opportunité d'affaires. Ce n'est pas des commerciaux, donc c'est compliqué pour eux d'aller chercher le client pour pouvoir faire vraiment une démarche commerciale. Donc c'est plutôt des populations qui sont en attente du client par le bouche à oreille, donc qui fonctionnent plutôt bien en général quand ils sont bons, mais ce n'est pas des gens qui vont avoir facilement la possibilité d'aller chercher naturellement le client. Donc nous, on leur apporte un client potentiel. Donc c'est le premier élément d'intérêt. Le deuxième intérêt, c'est la partie créer du lien dans ma région, pouvoir appeler un copain si j'ai besoin de me dépanner. La troisième dimension, ça peut être je suis installateur dans la région nantaise, mais par contre mon client il a une résidence secondaire dans le sud, et ben j'appelle mon copain du sud pour qu'il fasse l'installation. Donc ça c'est aussi un élément. La dimension formation, parce que c'est aussi des gens qui n'ont pas forcément accès facilement à des formations pertinentes pour leur métier. Donc nous, on leur construit des modules personnalisés de formation qu'on leur administre avec nos formateurs en interne ou en externe. Et puis, c'est un ensemble de services, en fait, des outils dédiés. Et puis, en dernier ressort, c'est aussi une boutique de feed. C'est-à-dire que chaque euro dépensé dans la distribution, nous, on leur crédite des points qu'ils peuvent dépenser soit dans une boutique cadeau, soit dans un achat d'outils spécifiques métiers. Ils peuvent acheter de la formation, ils peuvent acheter de la PLV, des kakémonos pour leur showroom, s'ils ont un showroom. Enfin, c'est un programme assez complet hein, de motivation. Le travail qui est fait par les équipes est remarquable, hein, je trouve, en termes de contenu, notamment le contenu vidéo chez vous. Là, nous, on est assez bluffés de voir comment est-ce que la force de vente elle se met en scène pour faire de la formation. Ah oui, parce que c'est assez époustouflant. Nos équipes commerciales sont actrices d'un magazine qu'on diffuse qui s'appelle Sogel Expert, l'émission. Donc c'est la direction commerciale ou les directeurs régionaux des ventes qui tour à tour présentent un produit, donc c'est assez drôle. Si vous avez l'occasion, vous pouvez aller sur YouTube, sur la chaîne Sogel Expert, vous verrez nos équipes en scène. Donc on présente à chaque fois le produit du moment, le produit qui est en cours de lancement, une réalisation remarquable d'un installateur, donc on met en valeur en même temps un expert du réseau pour donner à ses collègues des exemples de réalisation. Et puis des rubriques qui viennent en fonction de l'actu. Vas-y sur la question. Ok, y a-t-il une autre question? Oui. Bah, ça tourne beaucoup. Tous nos contacts clients tournent beaucoup autour de la demande de devis. La très grosse majorité des contacts qu'on prend, ce sont l'objectif principal est une demande de devis. On a aussi de la demande d'information. Donc, on a des gens dans beaucoup de candidatures spontanées pour la partie RH. On a des demandes d'information sur les produits. On a beaucoup de demandes de SAV pour des gens qui ont des très anciens produits qui veulent remplacer une roulette. Donc, c'est pour nous une occasion supplémentaire de prendre contact avec eux et de leur proposer une promo particulière ou leur envoyer vers quelqu'un du réseau. Mais c'est majoritairement des opportunités d'affaires. Donc ça, ils s'en occupent, c'est sûr. Bonne question. On en parlait ce matin. Au départ, les équipes commerciales ont vu d'un très mauvais œil. Enfin, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va chercher auprès du consommateur, notre client, c'est le négoce, c'est pas autre chose. Et puis la vente, c'est moi qui sais, parce que c'est moi qui connais. Voilà. Le boulot qu'on a fait, ça a été de leur dire, alors certes, ton client, c'est le négoce professionnel, mais derrière le négoce, il y a un autre client qui s'appelle l'artisan, et puis au bout du bout, il y a un seul vrai client, c'est le consommateur, parce que c'est lui qui va avoir besoin d'un placard ou d'un dressing. Donc ça, au fur et à mesure, le discours, ils ont commencé à le comprendre. Et puis quand on leur a dit, bah, plutôt que de faire des rendez-vous dans la distribution classique, comme tu fais depuis 15 ans, bah, demain, tu vas aller voir aussi l'artisan, et puis tu vas lui apporter un service, un accompagnement, tu vas faire plaisir à quelqu'un, tu vas retrouver quelqu'un qui est vraiment dans le business au jour le jour et qui répond à des problèmes techniques au jour le jour et qui va satisfaire tes clients et qui va faire que c'est ta marque qui va choisir, bah, ça a un peu changé leur job aussi, parce que ça a redonné de la valeur à leur job quotidien.
ça leur a permis de découvrir autre chose et de faire un autre métier que ce qu'ils faisaient traditionnellement. C'est-à-dire que là où ils faisaient 90% de rendez-vous dans le négoce professionnel, aujourd'hui, ils font 50% chez l'artisan, 50% dans la distribution. Donc c'est aussi un moyen de faire grandir les gens, les équipes, quelles qu'elles soient, que ce soit les équipes commerciales, les équipes marketing, les équipes de développement produit, parce que moi, mes équipes de développement innovation et R&D, je les envoie aussi développer chez les clients les produits. Donc quand on crée un nouveau produit, c'est le projeteur R&D que j'envoie avec un chef de produit marketing, avec le client et quelqu'un de l'équipe commerciale. Donc c'est ces gens-là qui conçoivent le produit et qui le développe avec l'installateur, l'utilisateur, qui va mettre en œuvre. Ben ça, c'est... Apparemment, non. Je crois que c'est l'esprit maison. Ça a l'air simple chez Sogal. Allez chez Sogal à la Jumelière, vous comprendrez. Déjà, quand vous arrivez, vous êtes ailleurs. Déjà, les bâtiments sont magnifiques. Vous avez un écran géant. On sent que le multimédia est présent depuis de nombreuses années. C'est une culture aussi. Il faut dire les choses. Oui, on est assez adepte de la... Même sur la communication interne, on a une chaîne d'info interne en continu sur laquelle on fait de la diffusion sur tous les sites du groupe. De façon dynamique, donc on informe toutes les équipes internes, production, enfin tout service, de toutes les actus du groupe, que actu commercial, actu RH, actu prod. Donc pour répondre à la question, on démarre toujours par ceux qui aiment bien se mettre en scène. C'est-à-dire que les premiers qui font la première, enfin celui qui fait la première émission, c'est forcément le plus vendeur de l'équipe qui est le directeur commercial. Le deuxième, c'est le directeur des ventes, West, qui est le deuxième dans la lignée. Et ça, au fur et à mesure, la mayonnaise prend parce que tout le monde a un peu envie de participer aussi. Il faut des sponsors. Il faut y croire, hein, ça se peut, hein, ça existe. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, Eric ? Il suffit juste de mettre une caméra en fait. Alors vous aurez reconnu Eric Sanka, hein, qui est mon compère sur les vidéos de Data Maniac et le réalisateur de ces vidéos. Alors l'objet connecté, oui, on en parle régulièrement. Le côté mode de l'objet connecté, il est intéressant. Le tout, c'est de trouver le vrai service, la vraie valeur ajoutée qu'on va apporter au consommateur avec le fait d'avoir un placard connecté. Aujourd'hui, on ne l'a pas encore trouvé, donc on travaille dessus, mais ça ne sert à rien. On pourrait faire un placard connecté pour dire j'ai besoin de connaître notamment. Enfin, on a un produit qui est motorisé, ouverture-fermeture, sur lesquels ça ferait sens. Mais bon, c'est une toute petite partie de notre marché. Et nous, ce qu'on cherche, c'est plutôt les grandes masses en termes de besoins. Donc on n'a pas le service aujourd'hui qui est intéressant potentiellement suffisamment pour pouvoir... Donc l'adultère a toujours devant lui encore, c'est ça ? Visiblement, oui. Ouais. Est-ce qu'il y avait une autre question ? Oui, allez-y. Novembre 2014. C'est tout petit parce que c'est une activité. Pour nous, c'est une activité. Ça fait partie. On a deux activités entre guillemets en incubation. Une activité de distribution spécialiste, qui est une marque qu'on a lancée en 2013, donc un peu plus avancée. Et puis la marque internet, qui est une vraiment. Alors, comme disait Jean-Louis, une start-up dans le groupe. On a trois personnes dédiées à ça, plus des services support du groupe. Comme le service client, par exemple. Mais pour nous, c'est une activité naissante. Donc, Il ne vous donnera pas de chiffres, hein, je ne pense pas. Non. on est extrêmement satisfait. ça veut dire que ça fonctionne bien. Et je confirme. Non, alors on a effectivement de la même façon, en fait, on a identifié dans les équipes les profils les plus adaptés à une évolution de métier. Donc on a pris au sein de l'équipe service client, qui est organisée avec plusieurs pôles, des gens qui ont une forte capacité de réponse téléphonique, qu'on a formé à la vente et qu'on a formé également à la relation commerciale au téléphone.
en plus de la dimension vente et de la dimension capacité, communication, etc. Et on les a également formés à des technologies de chat, de visio pour la réponse client en visio, parce qu'on propose tout. On propose le contact téléphone, téléphone, chat, email et visio. Différents stades de la relation. Et puis la prise de contrôle sur le poste de l'utilisateur pour la conception. Ok, on a la place pour une question. Oui, une question. Comment centimètre.com a été accueilli, je traduis, par les clients traditionnels, c'est ça ? Nos clients traditionnels, de toute façon, tous nos segments de distribution savent qu'on travaille avec, qu'on a une vraie politique multidistribution, multimarque. Donc, ils savent pertinemment pour qui on travaille. Donc, on leur a dit qu'on lançait cette activité dès le départ, avant que le site ne soit mis en ligne, quels que soient nos clients. On a prévenu toutes nos centrales. Donc, c'est pas vraiment un sujet, ça l'était pas à cette époque-là non plus, parce que la distribution traditionnelle a quand même beaucoup de retard dans son approche de la partie internet en général, et des outils qui sont encore plus en retard. Mais c'est aussi à chaque fois qu'on s'est développé dans un segment de distribution, ça nous a permis d'apprendre des nouveaux métiers ou des nouveaux outils ou des nouveaux services qu'on a adaptés au fur et à mesure aux autres métiers du groupe. Donc c'est pas, il faut pas le, du côté distribution, les gens ne le voient plus, je pense, enfin, au moins chez nos clients, comme un risque pour eux, parce que de toute façon, on s'adresse à des segments de clientèle que eux n'arrivent pas à adresser. Le seul bénéfice que ça peut leur apporter, c'est que ça peut nous permettre de leur développer des services adaptés à leur métier et qui permettent d'avoir une valeur ajoutée et de leur générer de leur côté également du business complémentaire. Et puis, qui sait, c'est peut-être inspirant pour eux, après tout. Que derrière, il y a des voies de développement. Aujourd'hui, on a trois centrales de distribution avec lesquelles on les accompagne dans leur réflexion digitale, parce que ils se sont rendus compte de l'intérêt que ça pouvait présenter, notamment avec nos programmes de filles d'artisans. Et donc, ils ont besoin d'apprendre. Donc, c'est aussi de notre rôle de leur apporter un accompagnement un peu personnalisé, de leur expliquer de quelle façon on peut s'y prendre et comment on peut surtout faire rejoindre leur propre contrainte de développement avec les programmes de filles qu'on a montés. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour pouvoir développer notre activité conjointe. Et ça, quand on est dans un marché qui est compliqué, c'est aussi pour nous une occasion de manger sur nos concurrents. Voilà, je crois qu'on a fini cet atelier. Philippe, est-ce que tu as un commentaire ou Non, je pense qu'on non, c'est on a, bon. Tout dit. Ouais. Moi, je crois qu'on peut applaudir Philippe et puis Vincent. Avec Sogal, avec l'exemple Sogal, on est vraiment dans la logique du digital change, je pense, d'une industrie qui se réforme, qui a une proposition de valeur neuve, qui se réinvente. Et puis, à titre perso, c'est très très agréable de travailler avec des entreprises qui y croient comme ça. Donc, merci à toi.